Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le dernier jour de cette semaine. Pour moi, vous le savez, hein, je termine le vendredi. Donc, on est le vendredi 2 décembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Et le plus fort est celui que je nourris le plus. Eh bien, je termine la semaine avec une carte à l'endroit et c'est le contrat. Ça peut être un partenariat, un engagement. Voilà, c'est une belle carte pour terminer cette semaine. Elle indique un contrat, cette carte. Et c'est un, ça peut être un engagement. Un engagement quelconque. Ça peut être aussi un prêt qui va être signé. Il est toutefois important que si vous devez signer un contrat, de toujours bien lire tout ce qui est écrit en petit. C'est très, 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 très important. Alors, ce contrat, eh bien, pourrait être une occasion d'affaires. Ça peut être aussi la vente d'une maison, si vous avez l'intention de vendre une maison, de votre maison, la vente d'un appartement, la vente d'un terrain. Eh bien, voilà, ça va se vendre. Ça peut être aussi un nouvel emploi. Ça peut être aussi dans votre emploi que vous restez dans la même société, mais que vous allez monter d'un échelon, que vous allez avoir un autre contrat beaucoup plus valorisant. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ça peut être aussi un mariage, un contrat de mariage. Vous allez peut-être vous marier. Ça peut être aussi un contrat d'un pacte, hein? Donc, le contrat veut dire beaucoup dans beaucoup de domaines. Alors, peu importe le lien, hein, cette carte représente davantage qu'une entente ordinaire. C'est habituellement une chose qui exige un document et qui est lu par les deux parties, au moins pour l'instant. C'est pour ça que je vous dis, si vous devez signer un contrat, il est très important de lire ce qui est écrit en petit. Un contrat, ça peut être aussi l'acquisition. Vous allez peut-être faire l'acquisition d'une maison. Vous allez signer un contrat. L'acquisition d'un appartement. Et là, on voit sur la carte, la balance de la justice indique aussi que si une action en justice est en cours, elle devrait tourner en votre faveur, vraiment. Et cette carte annonce, eh bien, de nouvelles occasions. Alors, on vous invite d'être à l'affût et réceptif à ce qui pourrait se présenter dans votre vie. Maintenant, si vous êtes en instance de divorce, ça sera bénéfique pour vous. Si vous êtes en séparation, ce que vous avez demandé dans la séparation, eh bien, ça sera bénéfique pour vous. Donc, c'est vraiment une très, très, très jolie carte pour terminer la semaine. Et pour celles et ceux que ça parle, eh bien, c'est propice pour vous. En tous les cas, c'est très positif pour vous. Dans n'importe quel domaine, c'est positif. Waouh, ben j'écoutais, je suis très 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 contente. Voilà, on termine avec le message de ton âme. Alors, message de ton âme, aimer. Eh ben voilà, aimer. On termine sur une belle note, n'est-ce pas? Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Aimez inconditionnellement. Ouvrez votre petit cœur, même s'il a été meurtri, ouvrez-le
Waouh, je suis très contente qu'on termine cette semaine. Voilà, très positif. Eh bien, encore un mois qui s'est passé, n'est-ce pas, avec vous. Je suis toujours ravie de faire mes capsules pour vous et je vous remercie de votre écoute. Merci à tous les abonnés et tous ceux qui ne sont pas abonnés. Et si vous n'êtes pas abonné, c'est l'occasion de vous abonner, de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Et puis, mettez un petit pouce bleu, ça permet à l'algorithme de répertorier ma chaîne sur YouTube. Je vous en remercie avec toute ma gratitude. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine capsule. Alors d'ici là, eh bien, passez un très 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 joli week-end, une très très belle journée dans l'amour, la joie, la bienveillance. Et puis voilà, on se retrouve tout prochainement. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, prenez soin de ceux qui vous entourent. À tout bientôt. Thank you.